Je vais mettre. Tout et tout, que ma fille, et moi ma fille, fera congé. Ma fille, elle a 13 ans. Allez. Ici, Morissette, à nous sommes. Ah, de Morissette. On va écouter Pierre. Également aussi. Dans ma boîte pour la carrière de. Donc, après cela, il y a eu des images pour régulièrement de DJ Congélateur qui n'étaient pas vraiment, vraiment des images qu'on voulait de. Attendez, je recule. Il est le contrat à la passe pour une tournée européenne. Et après la tournée européenne, il y a eu trop de polémiques, il y a eu trop de polémiques, il y a eu trop d'attaques, il y a eu trop de choses. Nous avons réglé ce problème-là. Et après, nous avons résilié le contrat. Alors, okay. Parce que on voulait pas rentrer dans toute cette polémique-là. Donc, après cela, il y a eu des images qui nous revenaient régulièrement de DJ Congélateur, qui n'étaient pas vraiment, vraiment des images qu'on voulait de lui. Okay. Parce que nous avons fait le petit, un artiste international, et les images qu'on recevait n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Donc, j'ai regroupé mon équipe pour réfléchir. Et il y a des mamans qui nous appelaient de partout. Il y a des mamans DJ Congélateur et des papas DJ Congélateur. Ce sont des personnes âgées, des vraies mamans, et lancer sa carrière. Voilà comment j'ai renouvelé encore son visa avec son manager et je les ai amenés en France. Là, quand on a fait les clips et tout, on a commencé le travail. Congé, il est là, on continue de faire le travail. Il y a eu l'histoire de la CAN. Et puis après la CAN, on est dans la période du Ramadan. Tout est bloqué un peu par rapport au travail. Alors, donc, okay. Congé, comme il se plaignait beaucoup, parce que là où il était logé, il disait qu'il avait besoin de femmes, tout ça. Je suis venu la répéter devant moi. Okay. Bon, en France, on peut pas donner, ou bien même en Afrique, on peut pas donner femme à quelqu'un. Déjà, ouais. Comme il a déjà une, il va finir son travail et puis il va rentrer. Donc, c'était chaque fois, il y avait toujours ces histoires. Voilà comment j'ai pris congé pour l'envoyer chez moi. D'accord. Il reste à côté de moi. Ok. Et je vais le suivre de près. D'accord. Donc, voilà comment congé se trouve chez moi. Comme moi, je voyage beaucoup. Mm-hmm. Et volontairement, depuis l'arrivée en France, oui. Il y a une maman du nom de maman Mary. Ok. Mary Fofana. D'accord. Qui fait partie des mamans de DJ Congélateur. Cette maman s'est portée volontaire de, en compagnie congé, de l'aider. De l'envoyer à l'hôpital pour voir si congé à l'autisme. Mais tu la couvres les amis, s'il vous plaît. Je t'en prie. S'il a une maladie quelconque, tu veux tout. Okay. Donc, c'est cette maman qui s'occupe de congé côté médical. D'accord. Moi, je ne l'ai jamais envoyé à l'hôpital. Okay. Voilà, souvent, ils vont avec Waiti, tout et tout. Et du coup, voilà, d'après, quand j'ai parlé avec les deux parties, il y avait un problème entre la maman Mary avec Waiti. D'accord. Voilà, dans le groupe là-bas, ils avaient des problèmes. Bon, moi, je suis pas trop sur le groupe. Okay. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit au maman de se calmer. Bonjour, la maman lui dit que Waiti allait traiter son nom de quoi. Je sais pas de quoi il parle. D'accord. Je lui ai dit de m'envoyer. Elle dit, elle a les preuves. Les preuves qu'elle m'envoie, je vois qu'il y a rien. Pourquoi? Maman a appelé congé au téléphone. D'accord. Et elle a enregistré congé. Okay. Et quand elle enregistre congé, elle tire sa bouche, elle lui demande, elle lui pose des questions. Okay. Congé, c'est un enfant, tout le monde connaît, c'est un enfant qui manipule. Oui. Tout le monde sait ça. Okay. Tu vois? Donc, elle dit à Congé, tiens, manger. Congé dit non, je n'ai pas mangé. On fait quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Ma fourmi m'a envoyé ça par petite coupure. Je vais vous faire écouter la deuxième coupure de 5 minutes et puis après, on fait notre. Et moi, ma fille, frère Congé. Si bonjour, ma fille, elle a 13 bonjour, ans. Congé a 28 ans. Congé a 28 ans. Ok. Et ma fille a 13 ans. Ça dit que, elle a permis à ce que. Il y a une mauvaise touche, attendez, ça va revenir. Quand j'ai 28 ans, sa fille a 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le congélateur dit qu'il est maltraité chez vous, au fait. Effectivement, qu'il est maltraité chez moi. Donc, comme elle a provoqué ça, ok, on m'a envoyé les vidéos. J'étais là, je ne suis pas pour les vidéos, tout ça. On m'a envoyé les vidéos pour dire que. Voilà les vidéos de ce qui s'est passé chez vous, mais. Non, elle est sur le téléphone, en fait. D'accord. Comme lui, ça a été filmé. Okay. C'est au téléphone, elle a appelé congé, puis elle pose des questions à congé. Même en France. Effectivement, il y a des bons. Okay. Comment elle est maltraité chez moi? Je suis pas là. Donc, ils vont l'envoyer chez toi, tu vas le garder le temps que j'arrive. Elle dit, si on l'envoie quand je suis chez elle, elle va appeler la police. Il dit, aujourd'hui, tu vas appeler la police. Mais ils vont l'envoyer chez toi parce que tu dis, il est maltraité chez moi. Voilà comment hier, lui, ils ont envoyé congé chez elle. OK. Ils ont envoyé congé chez elle. OK. Elle a fait une petite nuit avec congé. Okay. Matin, elle m'appelle pour me demander pardon de venir prendre congé. Elle peut pas supporter.
parce qu'il a ses caprices, il a ses caprices d'homme, de personne. Et il est insupportable. C'est qu'elle a vécu seulement qu'il y a une nuit là. Vraiment, elle nous demande pardon. Elle me demande pardon à Haïti. Elle demande pardon à nous tous, vraiment, tous ces temps-là. C'est que nous, on a vécu là. Vraiment, c'est trop. Et c'est aujourd'hui, elle a vu ça, elle me demande pardon. J'ai dit, maman, c'est déjà trop tard. En tout cas, on accepte ton pardon. Okay. Moi, je ne suis pas là. Je suis encore à Abidjan pour mes activités. Il faut le garder en attendant que j'arrive. Okay. Et, bon, c'est ça, nous sommes. Elle a appelé d'autres mamans qui m'ont appelé. Mais demandé pardon. J'ai dit non, j'accepte. Parce qu'elle veut que le congélateur revienne chez vous. Parce que elle veut que le congélateur revienne chez moi. Elle ne peut plus supporter une seule nuit. Donc, elle veut qu'il revienne chez moi. J'ai dit non, il va rester chez toi. Il va rester chez toi jusqu'à ce que j'arrive. Voilà où nous sommes présentement. Qu'est-ce que vous pensez de ces blogueurs-là qui ont dénoncé ces faits-là sur les réseaux sociaux sans rentrer en contact avec vous? Or, ils avaient la possibilité de rentrer en contact avec vous. Mais si, effectivement. Et par ces blogueurs-là, ça a commencé par l'UNI. Yoda le bon et. Bon, je connais pas le. Oui, bon, c'est l'unique. C'est la première vidéo. Fati, tout ce qu'il a dit, c'était que la vérité? Non, c'est que du mensonge. Voilà, c'est ce que je t'ai dit. Ma fille, elle n'a que 13 ans. Ma plus grande fille, elle n'a que 13 ans. Comment elle va faire le congé? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, congé à 28 ans. Voilà. Et puis, tu connais Paris, hein? Paris, congé, c'est ce que la maman même a dit. Elle dit que congé, quand tu prépares sauce graine, il va dire non, moi je ne prépare sauce graine. C'est des cas comme ça qui arrivent. Il a expliqué à la maman. La maman a interprété, a essayé de poser des questions ou dire autre chose. Mais quand congé est parti chez elle, là, elle-même, elle a appelé, les vocaux sont là. Elle dit que congé, c'est qu'elle a préparé, là. Il y a une nuit congé dimanche. Et est-ce que quelque part par là, congélateur n'est pas en train de donner raison à Manage a confirmé qu'il disait tantôt que congélateur était quand même difficile à vivre? Mais tu sais, vu qu'il vit chez vous, donc vous avez eu l'opportunité de le connaître aussi un peu. Je vais zapper cette partie. Il y a une partie qui m'a échappé. Je vais revenir sur la première partie. Oui, il parlait de Manage. Attendez. Nous sommes à. Parce que là où il était logé, il disait qu'il avait besoin de femmes et tout ça. Je suis venu la répéter devant moi. Ok. Bon, en France, on ne peut pas donner. Ok, c'est la partie qui m'intéressait. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Des femmes et tout ça. Je suis venu la répéter devant moi. Attendez. En France, on ne peut pas. C'est notre partie qui nous intéresse. Son manager, et je les ai amenés en France. Là, quand on a fait les clips et tout, on a commencé. D'abord à Melun. Ils m'ont appelé. Maman, on veut venir te voir. Moi, j'ai pas eu le temps. Après, ils sont partis à Sarcelles. Ils ont déménagé, ils sont allés à Sarcelles. Waïti Managa, j'ai changé. Moi, je me préparais à les inviter chez moi ici, leur faire un petit repas et tout. Comme quand j'ai son bébé. Donc, ils vivaient avec Waïti Managa dans un logement, je sais pas si c'est un studio, mais ce qui est sûr, ils étaient logés séparément. Ils vivaient avec son manager au début. Moi, j'étais au courant. Quand il est rentré en France pour les soins la dernière fois qu'il est rentré en France, c'est à Melun, ils habitaient seuls. Waïti Managa est congé. Et après, ils sont habités à Sarcelles. Sarcelles, je ne sais pas si c'est dans la famille de monsieur. Comment il s'appelle Monsieur Nama Boaké, où il vivait toujours seul. Tout récemment, quand j'ai eu Waïti au téléphone, il m'a dit maman, bonjour, comment vas-tu? C'était juste pour te passer un bonjour. Il a dit ça va. Il m'a dit ah, maintenant, on n'est plus à Melun, nous sommes à Sarcelles. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était Sarcelles qui m'avait dit. D'accord? Donc, il vivait bel et bien avec Waïti Managa. Je voulais la petite partie, là, comme il dit, que Waïti Managa et lui, il a préféré les arriver dans le logement où ils étaient parce que, quand je l'ai fait, se plaignait toujours qu'il avait besoin d'une nana, il avait ses besoins à lui. Parce que quand je l'ai fait, se plaignait qu'il voulait une nana, il les a délogés pour les envoyer au congélateur à son domicile. Sachant que lui-même, il n'est pas là, c'est avec sa femme et ses enfants. Je ne trouve pas certainement logique. Quelqu'un qui dit qu'il a besoin d'une nana, il m'écoute vraiment, je rétis ça. Je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette phrase-là. Je demande pardon à tout le monde, c'est ce que j'ai dit. Je vais dire, quelqu'un qui a ses besoins, tu le prends et puis tu l'envoies dans ton domicile. Où il y a une femme, vous voyez où il y a deux femmes même, mais il y a une femme qui est adulte, qui est ta propre femme. C'est pour qu'il le fasse à ta femme, tu l'as amené là-bas. Le besoin dont il parle, et puis tu les as enlevés dans le logement où tu les as logés, puis tu l'envoies chez toi. C'est là-bas le besoin se trouve, je ne comprends pas. On va réécouter, hein. Pour là où ils vivent, moi, je suis au courant puisque j'étais en communication avec eux. C'est pour ça, hier, quand il y a une de mes followers qui a dit, Philippe, tu es au courant, j'ai dit, attends, je vais essayer de les joindre avant. J'ai appelé Audi, j'ai appelé Miss Audi, j'ai appelé Whitey, ils étaient hors réseau, hein. Ça met appel, on dit même pas appel en cours, rien. J'ai fait deux fois rien, et puis, voilà. L'affaire est déjà sur la toile, je pioche ce qu'il y a sur la toile, et puis on va parler. Heureusement qu'il vient de faire son interview.
Et puis, il dit cette partie-là. Parce que moi-même, j'allais me poser la question, mais ils ne vivaient pas au début, quand ils sont arrivés d'Abidjan, ils ne vivaient pas au début chez toi. Comment ça se fait qu'ils arrivent chez toi, à domicile? Maintenant, c'est lui qui explique. Je vais revenir un petit peu en arrière, puis on va avancer sur le direct. On fait ça, mais le temps passe très vite après. Parce que là où il était logé, il disait qu'il avait besoin des femmes, tout ça. Je suis venu, il a répété devant moi. Ok. Bon, en France, on ne peut pas donner, ou bien même en Afrique, on peut... Là où il était logé avec Manadja, il se plaignait déjà à Manadja qu'il a besoin de Nana. Il a ce besoin-là. Ce Naman Boaké, c'est quoi cette grosse erreur-là? Le besoin que le jeune homme avait là, ça y est à ton domicile? Ce que je veux dire, par exemple, il dit qu'il ne mange pas bien. Et puis je l'envoie chez moi parce que ma femme est là, elle fait à manger tous les jours. Je peux comprendre. Mais, ou bien s'il a des difficultés à manger la nourriture de dehors, tout ça là. Les fast-food, avec Whitey, tu vas dire, Whitey ne cuisine pas, il mange tout le temps des fast-food. Je l'amène chez moi, au moins il y a les repas chauds faits à la maison. Je peux qu'on peut te comprendre. Mais quand quelqu'un dit qu'il a un besoin fondamental, qui est fait l'amour, et puis tu le prends, tu l'envoies à ton domicile où il y a ta femme et ta petite fille. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a dit, hein, je n'ai pas déformé les mots, que Whitey l'a appelé, il y avait un problème, Whitey l'a appelé, Whitey dit au congélateur, dit, il a besoin de femme. Et je suis venu devant moi-même, il a répété la même chose. C'est ce que M. Nama Boaké vient de dire. Je suis venu devant moi, il a répété la même chose, qu'il a ce besoin-là. Et donc, je l'ai pris, je les ai enlevés là-bas, je l'ai pris, je l'ai déposé à mon domicile. Donc, le besoin se trouve à son domicile, à lui. Je vais m'arrêter là, et puis on va continuer sur le direct. On va continuer. J'ai une autre vidéo que mes fourmis m'ont envoyée. Ça y est où? Ça n'est pas ici. Voilà, j'ai une autre vidéo, on va aller rapidement. Maintenant, là, sur TikTok, on a la fille de 13 ans de M. Nama Boaké. Une fille de 13 ans qui se retrouve sur l'autorisation de sa mère et de son père, M. Nama Boaké, parce que c'est une gamine. Moi-même, ma fille de 16 ans, la nuit, ne peut pas se retrouver sur un TikTok. C'est dingue, c'est pas possible. C'est... En fait, c'est inimaginable même. Moi, ma fille qui a 16 ans et demi, là, la nuit, se retrouver sur un TikTok, même en journée, lui donner l'autorisation de monter sur un panel pour s'expliquer. En tant qu'un mineur, limite même si elle va avoir 17 ans, j'ai la veille de sa majorité. Mais une gamine de 13 ans qui va monter sur un panel pour s'expliquer sur une affaire d'un adulte. L'autorisation lui a été donnée par sa mère et M. Nama Boaké. Donc visiblement, il y a une mauvaise éducation dans la maison de M. Nama Boaké. Mon frère, je suis désolé de le dire, mais le constat est là. Tu vis en France, je vis en France. Tu ne peux pas laisser un enfant de 13 ans aller expliquer l'histoire d'un artiste. Un adulte, deux. Un artiste avec qui tu as contrat, un adulte, deux. Une personne handicapée, trois. C'est ta fille de 13 ans qui va donner explication sur un panel dans la nuit sur quelqu'un avec qui tu as un contrat. Vous avez votre contrat est encore valable. De faire attention à mes affirmations, il n'est pas au courant que sa fille est passée sur un panel. Il n'est pas au courant. On fait comment pour passer sur un panel? Il faut avoir le nombre d'abonnés requis pour pouvoir passer sur... Pour dire, il y a une affaire sur les réseaux sociaux, je m'en vais donner mon avis. Il a donné l'âge de sa fille. Moi, j'ai écouté le panel sans connaître l'âge de la fille. Mais heureusement que ce petit boulot a répété lui-même, il vient de donner l'âge de sa fille. Il vient de donner l'âge de sa fille. Heureusement que ce boulot... En tout cas, merci. Vous m'avez envoyé ça pour que je puisse mieux travailler, faire mieux sur mon direct là. Il a donné l'âge de sa fille. On va écouter sa fille de 13 ans qui est montée sur un panel pour parler d'un artiste de 28 ans qui est en contrat avec son père. Ce qui s'est passé au domicile. Une chose qui est confidentielle, qui n'était pas publique. Ce qui s'est passé entre quatre murs. Sa fille est venue expliquer sur un panel. Je mets le son, hein, on écoute. Toi qui dis de faire attention à mes affirmations, hein. Voilà la fille sur son nom. Même, si on ne peut pas bien lire. Ok. La chambre fait. Quand j'attends pour faire une semaine sans se laver, il dit va te laver, il va pas se laver. Il rentre dans la douche, il mouille la douche. Il disait qu'il avait de la toux. Nous et notre papa, nous sommes allés à la pharmacie, on a fait que acheter des médicaments, Il prend ses médicaments. Et en fait, il fait. Pour me protéger contre une plainte, monsieur Nama Boaké peut oser. C'est lui qui mérite une plainte dans cette affaire. Monsieur Nama Boaké peut oser. Je suis en France ici, je suis dans le 18e. Il peut oser.
Lui, il peut oser sortir pour déposer plainte contre quelqu'un pour ça, là. Derrière lui, c'est pour ça. Sinon, c'est elle qui va être poursuivie. Il n'a pas un contrat avec lui. Il n'a pas signé sur le papier avec lui. Esprit, c'est pas comme si... Il est lucide, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait esprit, il est très conscient. Quand on va reprendre la petite là, et puis on va l'écouter jusqu'au bout. On va reprendre la petite là. Elle va parler longtemps, hein. Elle parle pendant 8-9 minutes. On va écouter, puis après je vais parler. La chambre fait. Quand j'ai tout pu faire une semaine sans se laver. Mais il va te laver, il va pas se laver. Il rentre dans la douche, il mouille la douche. Il disait qu'il avait de la toux. Nous et notre papa, nous sommes allés à la pharmacie, on a fait que acheter des médicaments, Il prend ses médicaments. En fait, il fait exprès. C'est pas comme si. Tu penses pas qu'elle a 13 ans, mais c'est son père qui vient de dire son âge, Sidonie. C'est pas mon enfant, hein. C'est son père. Il a parlé aujourd'hui. Son père était dans le micro de la fille, la Morissette. Son père vient de dire sa fille a 13 ans. Si tu n'as pas suivi, il faut reprendre à zéro. Il a dit sa fille a 13 ans. Parce que Dieu, quand j'étais, c'est plein que cette fille-là l'a tapé. Il a dit, ma fille de 13 ans ne peut pas taper un homme de 28 ans. C'est lui qui a dit son âge. La petite, là, je ne la connais pas. Il est lucide, il sait très bien ce qu'il fait. Il fait esprit, il est très conscient. Quand Jadon rentre dans les toilettes, il ne va pas uriner dans la cuvette, hein. Il fait ça au-dessus de la cuvette. Oh Seigneur. Il va prendre les papiers hygiéniques, il va les découper. Il y a un enfant de 5 ans dans la maison aussi. Oh, ça s'est retrouvé. Il a l'habitude, il dit que quand Jadon dit que lui, il ne mange pas attiqué, quand Jadon dit lui, il ne mange pas couscous, il ne mange pas ça, sa rachide, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça, il ne mange pas ça. C'est que lui veut manger chaque matin, il faut acheter des pains au chocolat pour lui. Tu lui fais un café, tu lui achètes des kebabs, tu lui fais du riz. Quand tu fais tout ça pour lui, quand Jadon te dit non, en fait, il est assis, tu lui demandes, quand Jadon, tu veux manger? Si quand Jadon t'a regardé, c'est qu'il t'a calculé. J'ai toutes les vidéos ici, on peut toutes les envoyer. Elle a toutes les vidéos, ça veut dire même que pendant qu'ils sont en train de discuter avec lui, ça le filme pour garder des traces. Elle a toutes les vidéos. Ça veut dire, quand il va faire pipi, il a fait sur les lunettes là. Et puis il n'a pas ouvert pour faire dans le trou là. Ou bien il découpe le papier toilette là. Ça filme, ça garde. Elle a les vidéos, elle peut envoyer ça au TikToker pour exposer. Vous avez entendu? Son père est en contrat avec ce jeune homme. Son père a un contrat avec Dieu congélateur. Ce monsieur avait une déposer plainte contre moi. Son père a un contrat. La mère sait que son mari a un contrat avec lui. Ils ont filmé. Et puis, elle va envoyer ça au TikToker pour exposer ça sur les réseaux sociaux. Vous avez entendu? Quand j'attends, tu vas manger. Quand j'attends, tu as fait ça. Quand j'attends. Notre maman, elle lui parle, congélateur. Elle lui a acheté des éponges. C'est faux. La fille ne peut pas taper. Elle vient de dire. Nous sommes des enfants, c'est notre maman. Nous sommes des enfants, même c'est notre maman. On ne peut pas regarder quand j'attends manquer de respect. Ça dit le fait que la dame lui parle et puis ne réponde pas. Et puis il reste muet. Ça dit, il fait cet exprès de ne pas répondre. C'est un gros manque de respect, mais ils ne peuvent pas laisser congélateur manquer de respect ainsi à leur mère. Donc, si on sous-entend, elle a réagi. C'est ce que congélateur a dit que la fille l'a frappé. On ne peut pas accepter de se faire manquer de respect comme ça, c'est pas possible. Il dit que moi, je l'ai tapé. Je l'ai pas tapé. Ah, c'est de toi qui parlais dans la vidéo, là. Je ne l'ai pas tapé. Ah. C'est d'elle, son papa parlait. Ma fille de 13 ans ne peut pas taper un gars qui a 28 ans. Un gars qui a 28 ans qui est diminué. Lui, là, même un enfant de 6 ans peut le frapper. Quand on parle de quelqu'un qui a 28 ans, là, je ne sais pas pourquoi il parle de l'âge de congélateur quand il s'agit de ça, là. Un gars qui a 28 ans qui est diminué, lui, la même enfant de 10 ans peut le frapper. Et cet enfant de 10 ans ne peut pas se placer à congélateur, puis à frapper congélateur, puis à le jeter par terre, puis à le gifler. Il ne peut pas. Il peut. Pourquoi il ne peut pas? Ce n'est pas un enfant de 13 ans qui ne peut pas le taper. Et puis, taper. Si on dit que quelqu'un m'a frappé, en français ici, là. Français, quand on dit que quelqu'un m'a frappé, moi, je te tape comme ça. On appelle ça une frappe. En Afrique, quand on dit frapper, c'est que la personne t'a tapé juste en tes larmes, on commençait à couler, t'as commencé à pleurer, puis appeler. En Afrique, c'est ce qu'on appelle frapper. Mais en Europe, ici, quand on dit frapper, tu donnes un coup à une personne, si elle lui a donné un coup, elle lui a donné un coup. La chambre, il est dans la chambre une semaine, ça c'est lavé. Donc la chambre pue comme du n'importe quoi. Donc j'ai voulu ouvrir la porte de la chambre pour aérer la chambre. Je ne sais pas si vous comprenez, pour aérer, pour que l'odeur puisse sortir. Donc je lui ai dit, bon, va au salon, comme ça je vais aérer. Quand ça va bien aérer, tu vas rentrer. Mais je dis que lui, il ne peut pas sortir, qu'il n'a pas envie d'aller au salon. Toi, tu as 13 ans, ton papa dit que tu as 13 ans, que le gars a 28 ans. Ton papa dit,
Il avait une chambre libre. Il ne partage pas la chambre avec toi. Parce que ce qu'il a expliqué sur le au micro de Morissette, qu'il lui a donné une chambre qui était une chambre d'amis qui était chez lui. Donc, il donne une chambre d'amis qui était chez lui à congélateur. Congélateur ne partage pas la même chambre que toi, gamine, de 13 ans. Comment un invité qui est chez toi, qui a 28 ans, c'est toi qui as venu lui dire à 13 ans, sors, je vais aérer, ça sent mauvais. On connaît les enfants en Europe ici, qui ont cette éducation, justement, que tu es en train de présenter là. On les connaît. Les enfants qui ont cette éducation, là, c'est sûr que les odeurs que tu as senties là, désagréables là, tu l'as dit à haute voix plein de fois. Tu en as rigolé plein de fois. Tu lui as rigolé au visage. Sinon, une personne qui est différente, qui est dans sa chambre, c'est son intimité. Même moi-même, mon enfant qui a 16 ans et demi là, au-delà de sueur, des hormones sous ses aisselles là, je ne vais pas lui dire ça au visage comme ça. Il y a des manières pour le dire. Je vais lui dire, ah, maman, tu t'en prends ta douche, j'ai coupé le citron là, j'ai utilisé la moitié, prends l'autre moitié, tu as fait sur tes aisselles. Sorti là. Tu avais commencé à rigoler, tu avais commencé à dire des choses à haute voix qu'il entendait. C'est pas à toi de lui dire de sortir de sa chambre que ça pue, tu vas nettoyer, puis il va venir rentrer après. Ton père dit, tu as 13 ans. Ton père dit, tu as 13 ans. Quand tu peux pas t'appeler Digue Congélateur, mais comment ça se fait qu'à 13 ans, tu donnes des ordres à Digue Congélateur de sortir de la chambre, toi tu vas nettoyer que sa chambre sent mauvais. Comment c'est possible? Le jeune homme a dit que tu l'as tapé, ton père dit c'est faux. Mais tu lui donnes des ordres. De quel droit tu lui donnes des ordres? Il ne mange pas gratuitement dans la main de ton père. Il essaie de diminuer, il ne mange pas cadeau dans la main de ton père. C'est une relation professionnelle. C'est une relation professionnelle. Je lui dis, mais s'il te plaît, dans le salon, c'est pour aérer, c'est pour mettre le parfum et tout. Comme ça, toi, tu vas bien respirer. Il me dit que lui n'a pas envie d'aller. Donc, j'ai appelé maman, je lui ai dit, voilà ça. Pour mettre parfum, quelqu'un qui a son odeur, toi qui as mis le parfum dans sa chambre, c'est toi qui dors dans sa chambre? Le fait de dire à quelqu'un, sort ta chambre et mets parfum, ça veut dire que ta chambre sent mauvais? Elle dit, quand elle va au salon, c'est Néré, elle est venue au salon. Donc, quand elle est venue au salon, le balcon était déjà ouvert. Donc, il a voulu fermer, il y avait de l'odeur et tout. Donc, je lui ai dit, que, ah, attends, il peut, comme les choses aériennes. Aller là-bas que sa fille peut pas faire ça. Voilà ce que sa propre fille vient dire. Il ne vous respecte pas s'il fait frapper le. Et j'ai mis sur le parleur. On ne l'a même pas touché. S'il ne vous respecte pas, s'il fait. Comme si c'était. Je sais pas quoi. Pourtant, tu es en train de parler de l'âge 28 ans. Tu reçois. On va enlever l'handicap de Digue Congélateur. Tu reçois une personne qui a 28 ans chez toi. Et puis toi, tu vas dire à tes enfants s'il fait frapper le. C'est parce que tu sais que Digue Congélateur est diminué. Tu as un homme de 28 ans normal. Si il envoie tes enfants chier dans la maison, tes enfants sont très hauts, vous m'emmerdez les enfants, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'embêtez, j'ai pas besoin de bruit, je vais être tranquille. Une personne normale qui a 28 ans, toi tu peux dire à tes enfants d'aller frapper la personne. Tu vas dire qu'on j'attends est diminué? Il est physiquement diminué? Il est mentalement diminué? Quand tu dis à tes enfants s'il fait une carte frappée, si tu donnes l'autorisation à tes enfants de le frapper là, ta femme même qui n'a pas besoin d'autorisation là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ta femme qui n'a pas besoin de ton autorisation, là, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Devant Dieu, nous sommes dans le mois de carême. Si nous, on a touché quand j'entends Dieu, on ne l'a jamais touché. Jamais. On si tu as touché quand j'entends Dieu, va dire. C'est là qu'il a appelé la dame pour dire à la dame que nous, on le maltraite, on le frappe, on fait ceci, on fait cela. Donc après, nous, on a vu la vidéo, on était choqués. Depuis qu'on a frappé, même il a eu à dire que Whitey l'a déjà frappé. Les gens ont appelé Whitey. C'est le reste de la famille qui lui parle comme ça. C'est le reste de la famille qui lui parle comme ça. C'est même pas celui qui est en contrat avec lui. Ça dit, M. Namabouaké a installé, a envoyé, dit que quand j'attends chez lui, c'est comme si son neveu du village, c'est son neveu du village indésirable qui l'a envoyé dans la maison, ou bien c'est l'enfant d'un ami qui l'a pris comme ça. C'est pas comme si c'était un artiste avec qui il était en contrat. C'est-à-dire le côté artiste. Lui, il est professionnel, il est promoteur, et puis l'autre est artiste. Et puis ils ont un contrat ensemble. C'est même pas ça. Hein. C'est comme quelqu'un qui est dehors qu'ils ont accueilli. Quelqu'un qui a la ramasse. Quelqu'un qui est dans la rue qu'ils ont accueilli. Absolument n'importe quoi. Maintenant, la dame même qui a envoyé la vidéo à l'unique là. Moi, je l'ai appelé, j'ai appelé la dame. Je lui ai dit que, mais attendez, madame, vous ne vivez pas avec quelqu'un, vous prenez moitié de collab pour, je ne sais pas comment on dit le proverbe déjà.
Appelle. Tu me dis quoi? Philly, sois juste, même si congé est diminué, comment cette jeune fille peut frapper congé et toi aussi? Frapper, c'est donner un coup? Frapper, c'est donner un coup? Toi, tu t'es posé la question, comment cette jeune fille, sans l'autorisation de ses parents, ou même avec l'autorisation de ses parents, s'est retrouvée sur un panel en train de parler de la vie privée de l'éduqué congélateur? Tu t'es posé la question? Tu as besoin de réponse quand tu vois son éducation. Cette jeune fille, son père a un contrat avec un artiste. L'artiste a séjourné dans la... Toi, tu peux avoir 28 ans, puis tu es musclé, tu es assis comme ça. Et puis un enfant de 13 ans, et puis les enfants de 5 ans vont tourner autour de toi, et puis vont te parler comme ça. C'est possible? C'est possible? Quand le papa même dit, si il vous manque de respect, frappez-le, tu n'as pas entendu ce que la fille a dit? Quand le papa dit, si vous manque de respect, frappez-le, c'est pas ce que la fille m'a vient de dire, c'est moi qui ai dit? Tu n'as pas entendu le mot frappez-le? Bon, peut-être qu'elle n'a pas 13 ans, mais bon, celle-là, peut-être qu'elle est la plus grande, mais c'est qu'elle est sûre, il y a enfant. C'est lui qui a dit que... Parce que... Vous voulez que je revienne sur les vidéos? Vous voulez qu'elle revienne sur les vidéos pour perdre du temps? Vous pouvez reprendre ma vidéo à zéro. Nama Boaké a dit, le congélateur dit, il a frappé... Attendez. 4 minutes 32. Retenez 4 minutes 32. Je reviens. Tout et tout, que ma fille, et moi ma fille, frappe congé. Ma fille, elle a 13 ans. Congé a 28 ans. Congé a 28 ans. Vous avez entendu l'âge de la fille? Vous avez entendu l'âge de la fille? Je vous fais comment? De vous parler comment? Tout et tout, que ma fille, et moi ma fille, frappe congé. Ma fille, elle a 13 ans. Congé a 28 ans. Quand un sujet me tient en cœur, on parle pas fort. Je te sors de mon stream et puis je fais mon direct à les autres. Tes réponses toutes faites, là où elles sont, tu vas aller les chercher là-bas. Tu as des directs où tu as toutes tes réponses là. Ici, tu t'assois ici et puis tu m'écoutes. La fille a 13 ans. On revient. Tu dis que la fille a 13 ans. Hein. On revient ici. On a tout pu faire une semaine sans ce live. On a, il a l'habitude, il dit que, quand j'attends, il dit que lui, il ne mange pas à tiquer. Quand je fais ça de voilà, c'est pas possible. Il dit que moi, je lui. Il y a une partie où la fille lui a demandé, est-ce que vous avez suivi? Je lui fais jury. Quand j'entends, Dieu va dire, on ne l'a jamais touché. Jamais on ne l'a touché quand je l'attends. C'est là qu'il a appelé la dame pour dire à la dame que nous, on le maquette, on le frappe, on fait ceci, on fait cela. Donc après, nous, on a vu la vidéo, on était choqués. Quand j'entends, depuis quand t'as frappé? Même il a eu à dire que Whitey l'a déjà frappé. Les gens ont appelé, Whitey était là. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Attendez. C'est quoi, il risque de mettre le parfum et tout. Attends, tu vas manger. Quand j'attends, tu as bon, je laisse. Parce que je vais recommencer à zéro. Il y a une partie sur le panel, la fille lui a demandé, donc c'est de toi, il parle dans la vidéo que tu l'as frappé. Puis la fille a dit oui. Donc, on parle toujours de la fille de 13 ans. Vous dites que celle qui parle ne peut pas avoir 13 ans. Dans sur ce panel-là, il y a quelqu'un qui lui a demandé. On était à 4 minutes 32. On va retourner à nos 4 minutes 32. Je mets ça à 31. On est parti. Appelez pour demander, pour savoir d'abord de poster la vidéo. Vous ne savez pas, et puis c'est vous qui postez la vidéo. Comme c'est nous les mauvais et que c'est nous, on frappe congélateur, on ne lui donne pas à manger, on le maquette là. On va envoyer congélateur chez vous. Parce que mon père m'a appelé, il m'a dit, appelle la dame, elle m'a mené pour le congélateur. Comme nous, on le maquette, appelle la dame, on va prendre le congélateur. On a enregistré toutes les communications avec la dame. La dame, parce qu'elle avait dit dans la vidéo qu'elle allait venir le chercher, ou soit elle allait appeler la police. Elle avait dit ça dans la vidéo. Donc du coup, non, on lui a dit, quand vous avez dit que vous allez appeler la police, et que voilà, vous allez, comment on appelle ça? Je sais pas, vous allez venir le chercher. On vous attend le matin, venez le chercher. Comme c'est déjà le matin, venez le chercher maintenant. Nous, on a déjà fait ses bagages, venez le prendre. La dame dit qu'elle ne vient pas. On dit, mais vous avez déjà dit que vous allez, voilà, vous allez. Isaïe Doubaï, Mbiam, Dagou, pardon. Épargne-nous de ces commentaires-là. Pardon, hein. Si tu as envie de prier sur les autistes qui sont possédés en Côte d'Ivoire, là. Il y a 25 associations d'autisme. Il y a plus de 10% sur les 27 millions d'habitants qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a 10% d'autistes en Côte d'Ivoire. Il faut laisser dire le congélateur. Va chercher ceux qui sont là-bas. Si tu tapes sur Google, association autisme
Côte d'Ivoire là. Il y a 25. Contacte ses parents là. Contacte ses familles qui ont créé les associations. Avant de te montrer. Tournez. Donc après, elle-même, elle a rappelé. Elle a dit que bon, elle a envoyé son adresse. Elle a dit qu'on peut aller déposer le congélateur. Donc nous, on a fait Citigo. Lui-même, il a rangé toutes ses affaires. Tout le temps, parlant, il a rangé ses affaires. On a fait Citigo, tout. On a mis le congélateur dans Citigo. 30 minutes après, la dame nous raconte qu'elle a son fils malade qui est à la maison. Donc du coup, elle ne peut pas garder le congélateur. Si on peut le garder le week-end, le lundi, elle va faire son association. Ils vont essayer de trouver une chambre ou un endroit où le congélateur peut rester en attendant que voilà, voilà, voilà. Donc on lui a dit que nous, on a déjà mis dans Yongo. Donc nous, on ne peut plus rien faire. La dame est dans Citigo. Donc nous, on ne peut plus rien faire. Elle dit qu'elle ne peut pas le garder ce week-end parce que son fils, déjà, il reçoit des amis. Après, nous dit que son fils, il n'a pas accepté que le congélateur vienne, qu'elle vienne avec son fils, patati patata, que sinon on envoie le congélateur chez elle, elle va appeler la police. Je sais que tu dis, parle beaucoup, mais c'est le signe d'une mauvaise éducation. À 13 ans, on ne peut pas raconter autant à des étrangers. Parce qu'elle est sur un panel où elle ne connaît même pas des gens qui sont sur le panel. Et elle parle de l'histoire de sa famille. C'est le signe d'une mauvaise éducation. Son père a dit à 13 ans, moi il a deviné son âge. C'est le signe d'une mauvaise éducation. Ça là, elle est née en Côte d'Ivoire et puis son père l'a fait partir en France. Ça. Parce que les enfants qui sont nés en France ici, ils ne font pas ça. Donc moi je lui ai dit que voilà, bon madame, nous on est... Parce qu'elle est impolitesse, ça n'arrive pas à ce niveau-là. Ça c'est une qui a grandi en Côte d'Ivoire ici. La porte et tout et tout et tout. Donc après, la dame même, le lendemain, on l'a envoyé, je crois que c'est le vendredi ou le samedi. Le lendemain, le soir même, je crois, la dame, elle envoie un voice, elle dit qu'elle lui demande pardon, que vraiment, elle ne savait pas que c'était comme ça qu'on j'attends, et que qu'on j'attends est vivable, qu'elle parle, qu'on j'attends lui a manqué de respect, il a jeté sa télécommande, il a cassé ça, il a fait ça, qu'elle ne savait pas que c'est comme ça, elle était, qu'elle a regret d'avoir envoyé tous ces trucs-là à l'unique, elle demande pardon, qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça. Qu'on j'attends, c'est pas un enfant, hein? On a des voices où il avoue que ça dit tout ce qu'il dit là même là, ils enregistrent, elle a des voices même où il dit qu'il fait exprès. Tout ça là, bientôt vous allez trouver ça sur les réseaux sociaux. Et tout ça pourquoi on le renvoie à Abidjan, que lui sait, que non mais parce que lui il est bête, lui il n'est pas bête et lui il sait très bien ce que lui fait. Que nous on le prend pour bête mais lui il n'est pas bête, que lui va faire des là, continuer à faire des bêtises jusqu'à l'envoyer à Abidjan. Il n'est pas bête, il est très 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 lucide, il sait parfaitement ce qu'il fait, très bien. Tout ce qu'il fait là, il voit dedans. Tout ce qu'on dit là, il voit dedans. C'est quelqu'un, tant que c'est pas pour lui là, il va continuer à te faire la misère jusqu'à ce que ça reste pour lui. On dirait un sorcier. Il fait la chambre de l'enfant là, un enfant d'estique. En Europe ici, c'est qui vous allez avoir qui va laisser sa chambre, la chambre de son fils, vous donner, puis va son fils aller. Ma fille, ton père gagne de... Tu as compris? Si toi tu ne sais pas pourquoi on peut libérer une chambre pour mettre quelqu'un dedans là. Ton père a un contrat professionnel, c'est pour ça que tu ne devais pas te lever pour prendre la parole à sa place. C'est pour ça qu'il ne devait pas t'autoriser à aller sur un panel, toi et puis ta mère, ils t'ont autorisé à aller sur un panel pour aller expliquer la vie privée de Didier Congélateur. C'est malsain. Et puis c'est un gros manque de respect. C'est pas professionnel du tout. Ça ne suffit pas. Visiblement, il n'y a pas bonne éducation dans la maison de M. Namabouaké. Il se promène, sa famille est livrée à elle-même. La mère ne prend pas ses responsabilités. Les responsabilités des adultes reviennent aux enfants. Lui avait une déposée plainte contre moi. Il sait contre qui il déposait plainte. Il n'a qu'à essayer. Elle est dormie dans une autre chambre. Vous allez avoir ça qui? Quand j'entends lui, c'est la chambre. Et, mais n'oubliez pas, vous connaissez une personne. Donc les amis, on a écouté ensemble ici. Vous connaissez ma position sur l'histoire de Didier Congélateur. Vous connaissez ma position sur affaire congé. Mettez-le quand même. Mettez le pouce bleu. Il y a quelqu'un qui me disait que les documents sont sortis. Congélateur n'est pas atteint de trouble du spectre autistique. Anyway. Comment? Qui es-tu femme? Bonjour ma soeur. Bien-être, bonjour. Comment ça se fait qu'un adulte. Un adulte qui a un handicap, avec qui tu signes un contrat, il se retrouve dans ta propre famille, où il y a des mineurs, il y a un enfant de 13 ans, il y a un enfant de 5 ans. Comment c'est possible? Dis-le quand
est invivable, on est au courant. Ce n'est que de la répétition, ça, on était déjà au courant. On avait dit qu'un congélateur chopait le sein d'une nana qui l'a sucé devant tout le monde. Comme s'il allait manger le téton, là. Dire qu'on jette un souci, il est bipolaire, on est au courant. C'est maintenant, M. Nama Boaké, sa femme Odi et puis Whitey apprennent que Digger Congélateur a ce problème. Whitey a suivi Digger Congélateur en France, pourquoi? Je ne suis pas en train de dire que c'était pour faire le nounou, mais il le connaissait mieux que les autres. Depuis Abidjan, quand Digger Congélateur était avec le Libanais Bilal, là, c'est pas Whitey qui était avec Digger Congélateur tout le temps. Comment ça se fait que il se retrouve dans ta propre famille? Vous pensez qu'on peut prendre une personne qui est atteinte soit d'une maladie mentale, qui a un handicap mental, pour introduire la personne dans une famille où les gens ne connaissent pas sa façon de fonctionner? Ça se fait? En plus, c'est un adulte de suivi. C'est un jeune homme, tout le monde connaît son histoire. On va pas la raconter aujourd'hui. Il a été abandonné par sa mère, il dormait dehors. Il s'est fabriqué une petite guitare où il partait dans les funérailles. Et puis, comme il a l'œil musical, il se débrouillait pour prendre les 1000 francs, les 500, les 200 francs. C'est comme ça qu'il a été repéré. Il n'a eu aucun suivi. Quand vous voyez sur la toile là, des mères d'enfants en situation de handicap décident de ne pas travailler, décident de s'occuper, un temps soit peu, entièrement de leurs enfants, là, vous pensez que c'est parce qu'on est paresseux? Vous pensez que c'est parce qu'on veut tendre la main? Quand on a désiré un enfant, on l'a mis au monde là, on s'en occupe, c'est pour qu'il devienne adulte. Un adulte responsable, un adulte autonome. Mais si malheureusement il est né avec une différence qui ne peut pas évoluer comme les autres, tu es obligé de réaménager ta vie. On ne peut pas mettre un enfant en situation de handicap au monde et puis continuer à vivre comme on vivait avant que cet enfant en arrive dans la famille. Même le programme de tout le monde, des petits frères, des grandes soeurs, ça modifie. Tout le monde. On réaménage la famille. On réaménage son programme de vie. On ne dit pas que demain, je vais toucher ma retraite. C'est pour ça que je suis fier, moi, quand les gens, certaines personnes ignorantes viennent dire, parce que ton enfant handicapé, tu ne travailles pas, tu veux vivre du social, oui. Parce que moi, quand je serai âgé, à mes 60 ans, mes 65 ans, j'aimerais faire mes nuits. J'aimerais avoir la paix du cœur et puis dormir tranquille. Parce que son cerveau est encore moulable, son cerveau est frais, en pleine construction. Les informations, on les introduit avec la rééducation et puis les soins. C'est comme ça. C'est quand l'enfant est jeune. C'est pour ça qu'on dit, quand ton enfant est encore petit, on déclare son handicap, tu as son diagnostic, tu le prends en charge en même temps, tu multiplies les soins. Parce que là, il en prend une construction, son cerveau est encore moulable, c'est là que toutes les informations vont rentrer et puis rester. C'est pas quand il devient vieux, il a 27 ans, et puis on découvre que peut-être il est porteur de TSA, et puis on commence à introduire certaines informations, le cerveau est déjà formé, c'est devenu caillou, c'est devenu pierre. La rééducation est difficile. Voilà, vous allez voir des parents qui n'ont pas été bénis par Dieu, qui ont eu des enfants en situation de handicap, en train de se sacrifier pour leurs enfants, pour nos enfants, et puis ça fait mal à d'autres. Pourquoi ton enfant est jeune, et puis tu t'assois pour t'en occuper? Et puis ça fait mal à certains. C'est pour ne pas se retrouver avec un adulte qui est difficile à gérer. Une mère qui a mis son enfant au monde, qui est vieille, doit dormir sur ses deux oreillers. C'est pas maintenant que tu as pensé à la santé de ton enfant. Voilà le cas de la mère de Digger Congélateur, qui s'est pas occupée de son enfant, qui a pensé à son bien-être, qui allait se remarier dans un autre village. Elle a abandonné son enfant. Elle n'a pas posé de questions, elle n'a pas cherché de l'aide, elle n'est pas partie en ville pour dire, voilà, mon enfant est né, je comprends pas, voilà. Elle a laissé, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a le sommeil? Normalement, l'handicap mental, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau des neurones. Les informations, on les met quand l'enfant est petit. Même les enfants ordinaires même. Un enfant ordinaire qui a été élevé comme un petit bonobo, un sauvage. Une fois qu'il a 10 ans, il a 14 ans, il a 15 ans. Quand il arrive dans la civilisation là, pour lui apprendre de nouvelles choses, ça va être difficile. Par rapport à un nouveau-né, un bébé, tu vas le ramasser dans la rue, même s'il est né dans la forêt. Pour lui apprendre, pour qu'il intègre les informations, c'est facile. Parce que le bébé, il est en pleine croissance. Il y a un moment, l'organisme arrête sa croissance. Le cerveau, il y a un moment, s'arrête. Il y a le 10 du, c'est-à-dire la mémoire est construite, c'est fini. La mémoire enregistrée, c'est fini.
Si la mémoire enregistrait des pleurs, la mémoire enregistrait des malaises, la mémoire enregistrait des tristesses, tu vas vivre avec. Après, à l'âge adulte, c'est des thérapies en point fini que tu vas faire. Voilà pourquoi on vous sensibilise. Ceux qui se lèvent pour parler de toutes ces maladies-là, pour dire aux parents, commencez tôt là. Sur la toile ici, quand on se lève et puis on mobilise des collègues pour parler là, on nous attaque. Pourquoi on cesse d'en parler? On nous attaque. Pourquoi on cesse d'en parler? On vient nous comparer pour dire tel est mieux, tel n'est pas mieux. Tout ce qu'il a pris dans la rue, c'est acquis, c'est rien en lui. C'est pas un enfant à qui on va parler qui va changer. Et toi là-bas, t'assois là-bas. Et puis déjà, sa pathologie en tant qu'un artiste, sa pathologie, c'est confidentiel. Tout le monde sait que il a un problème, il a plusieurs handicaps. Au côté physique, ça se voit. Il a une bosse derrière. Son physique, quand il marche, on sait qu'il a ce côté-là. Au niveau de la motricité globale, il a un problème. Mais un gars comme ça, là, tu as signé un contrat avec. Tu dois le déposer dans ta famille. Et puis, tout ce qui est confidentiel, vous mettez ça sur la toile. Il a pissé à côté. Il a pissé, il a chié à côté. Il dit, il ne mange pas à tiquer. On lui donne à tiquer. Il dit, il ne mange pas. Sa chambre sent mauvais. Il fait plusieurs jours sans se laver. Pourquoi? Nama Boaké, pourquoi tu fais ça? Je ne vais pas dire la gamine parce qu'elle est responsable de ses parents. Nama Boaké et sa femme, pourquoi vous faites ça? Là, vous êtes en train de faire mal à nous, les parents qui avons les enfants en situation de handicap. Là, vous êtes en train de faire mal, plus mal même que ce que le manager confirmé avait fait. Ou bien, je vais dire, je ne vais pas dire manager confirmé, comment il s'appelle, l'histoire de Bilal. Vous faites mal. Ça ne suffit pas. Il y a un génie. J'allais vous sortir la photo, si elle est finie, très... Mais le monsieur, il a tout sorte, c'est-à-dire il a tout sorte de prix à cause de son intelligence. Mais le monsieur là, quand vous le regardez, il chie comment? Parce que ses pieds là sont devenus petits comme des baguettes, on ne les voit presque plus. Ce sont là-haut, on voit la veste. Ce monsieur là, il chie comment? Il pisse comment? Ils sont venus déjà vous expliquer comment il chie? Ils sont déjà venus vous expliquer où il est assis là-bas, il y a couche en bas de lui, où il n'y a pas couche. Les gens qui sont autour de lui, qui travaillent avec lui là, ils sont déjà venus vous expliquer ce qui se passe quand il enlève son caleçon. Quand ils sont au double WC, ce qui se passe là-bas. Toute la vie privée, toutes les souffrances du jeune homme, son intimité, vous venez raconter sur un panel et puis c'est normal. Et puis personne ne stoppe ça, gamine. Moi, elle venait sur mon panel, j'allais la chasser. Elle venait sur mon panel, j'allais la chasser. Il pisse ici, il chie comme ça, ça change ça mauvais, c'est ton problème. Le problème revient à ton père. Ton père n'avait pas installé un handicapé dans sa famille. Il ne sait pas comment vous. Digue congélateur, vous ne savez pas comment digue congélateur fonctionne. Vous ne. Coucou, Whitey, je t'ai appelé, hein. Vous ne savez pas comment digue congélateur fonctionne. Vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas sa pathologie. Vous ne maîtrisez rien, même lui-même son propre fonctionnement physiologique, son vrai caractère à lui. Toutes ces petites choses-là, où il a chié, où il a pété, caca est tombé dans son caleçon, sa chambre sent mauvais là. Vous êtes obligé de venir dire. Vous êtes obligé de venir raconter ça sur les réseaux sociaux. Il ne fonctionne pas comme vous. Malheureusement, il est malade. Comment des gens ordinaires qui se portent bien peuvent venir juger un malade autant? En parlant de ce qu'il fait au WC, vous voulez montrer quoi? En laissant sa fille de 13 ans sur un panneau en train de raconter tout ce qui s'est passé dans la maison, vous voulez prouver que quoi? On ne peut pas avoir un contrat avec quelqu'un qui est malade et puis appeler une personne qui n'a rien à voir, la dame qui a son association. Certes, c'est sa marraine, mais tu ne peux pas t'en débarrasser comme ça. Tu as habitué, puis tu dis la femme, elle a quand même le chercher parce que la femme a dit que quand j'attends, vous êtes en train de faire ça. On ne se débarrasse pas d'une personne comme ça. Le taxi dans lequel on l'a mis là, s'il y a eu un accident, ou bien il est parti ailleurs avec le taxi, ou le taxi l'a amené ailleurs. Si le taxi l'a emmené ailleurs, dis que Constantin n'est pas une personne ordinaire. Il est difficile, ça on le sait,
déjà été dit. Ça a déjà été dit avant qu'on l'amène. Tout le monde sait qu'il est difficile. Tout le monde sait. Son panel est là. Hein. La petite, elle va pas appeler au téléphone, c'est sur le panel, on allait écouter. Hein. C'est de très grosses fautes, vous ne pouvez pas faire ça. C'est qu'il y a sûr, j'ai cherché à t'écouter avant de sortir. Depuis hier, j'appelle, manque de réseau, je ne sais pas si tu es sur la France ou même tu es à Abidjan, mais ça mettait à peine, ça ne mettait pas un coup, donc il fallait que les gens sortaient en désordre, il fallait que je sorte. Les gens qui ont les maladies mentales comme ça, là, notamment l'autisme, comme tu sais, c'est l'autisme, je connais, qui ont un fonctionnement neurologique différent comme ça, là, ceux qui n'ont pas reçu d'éducation, de rééducation, de soins, c'est des comportements qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est-à-dire la rééducation, au fur et à mesure qu'ils vivent dans, parmi les gens-là, ils fabriquent ça eux-mêmes. Ce qui fait d'eux des bipolaires. Dans le jargon autistique, on les appelle, on dit faire du camouflage. Ou bien on les appelle des caméléons. Il peut être devant toi tout de suite, il va causer à toi, tu vas penser que tout va bien, tout est lisse. Ça dit, il peut te sortir des phrases correctes. Et puis, il y en a qui sont, ils sont conscients de ce qu'ils ont. Il y en a, ils sont tellement conscients de ce qu'ils ont, ils camouflent leurs difficultés. On appelle ça du camouflage dans le langage autistique, où on peut dire des caméléons. Et puis après, à des moments, tellement ils ne peuvent pas camoufler, le naturel revient au galop, et puis leur vrai naturel sort. Très souvent, ils se comportent comme des bipolaires. C'est-à-dire, ils peuvent être corrects aujourd'hui, demain, ils peuvent être bizarres. On va dire, mais celui-là, il est bizarre. Était sur un panel la nuit, en train de raconter toute la vie de Didier Conjacteur, ce qu'il fait au WC, comment sa chambre sentait, et puis il lui a dit, sors, j'ai nettoyé, puis elle est parfumée. On ne fait pas ça comme ça. Moi-même, mon enfant qui est là, pour coiffer ses cheveux, je le prépare pendant une semaine. Ses habits de jeu, là, je mets ça dans le panier à linge, et puis, elle lui donne des vêtements propres. Il va rester dans la chambre, mais il va commencer à pleurer, il va faire une crise, il va aller fouiller dans le panier à linge, il va sortir habit qui est sale, là, pour porter, pour venir jouer. Mais tu peux le prendre chez toi. Mais non, je ne peux pas le prendre chez moi. Luc, Edge. Je ne peux pas le prendre chez moi, je ne suis pas une professionnelle. Monsieur Nama Boaké n'était pas obligé de signer un contrat. Moi, je n'ai pas attrapé la main de Monsieur Nama Boaké pour signer un contrat avec Didier Conjurateur. N'oublie pas qu'ils ont un contrat professionnel ensemble. Et dans son contrat, tout est stipulé. Moi, je ne suis pas une professionnelle pour prendre quelqu'un qui a un engagement avec une personne chez moi. Voilà, je ne sais pas comment tu fonctionnes chez toi. Et puis, des gens qui ont un contrat avec d'autres personnes, mais des parents de d'autres personnes, tu les prends chez toi. Ce n'est pas comme ça. Quand on prend un engagement, on pose sa signature. Quand on pose sa signature et puis son cachet, on suit son engagement. C'est comme ça le monde il fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme toi, chez toi, tu donnes l'éducation, ton éducation tu as reçu, et puis ce que tu donnes à tes enfants là. Quand quelqu'un se plaint, on va chez la personne, c'est pas comme ça. Nous sommes dans un monde réel. Et puis dans un monde de civilisé. Donc tu es venu ici, si tu es arrivé dans la civilisation, tu t'assois et puis tu écoutes. Prends pas un handicapé qui est difficile dans une maison qui a son manager, on ne prend pas un handicapé pour aller le déposer dans sa famille où il y a des mineurs. Je ne peux pas me mettre à sa place. Parce que je ne le ferai jamais. Si je travaille avec un handicapé mental qui a des difficultés, qui est difficile à vivre, je ne vais pas le prendre pour aller le mettre dans la maison pendant que moi-même je ne suis pas là avec mes enfants mineurs et ma femme qui va au travail. Ça, je ne le ferai jamais. Je ne vais jamais le mettre à sa place. D'accord? S'il est difficile avec Waïti Manager qui est un homme comme lui, qui est presque plus âgé que lui, s'il est difficile avec lui, ça reste ses enfants de 5 à 13 ans, ça sera facile. Vous marchez sur la tête ou quoi? Déjà, lui-même, il met sa propre famille en danger, et puis il laisse les consignes que si le jeune homme est trop mal poli, on n'a qu'à le frapper. Vous êtes mal, vous vous portez bien. Ça va chez vous? Ça va chez vous? Il n'était pas conscient que c'était un handicapé mental pour donner l'autorisation à sa famille de le frapper que de le prendre chez moi. Pour donner l'autorisation à sa famille de le frapper, c'est sa fille qui est en train de le dire. Sauf si sa fille est une menteuse. Toi, tu peux prendre un handicapé qui est difficile. Déjà, tu as constaté qu'il est difficile. Et puis, tu le prends, tu le mènes ta famille, et puis tu voyages. Et puis, c'est tes filles-là, les enfants-là qui s'occupent de lui. Parce que tout ce qu'elle est en train de dire là, moi, je vais faire, elle ne dit pas, maman a fait ça. Vous fonctionnez comme chez lui. Tant qu'il est invité, il est logé là, c'est chez lui. C'est son intimité. On ne rentre pas dans la chambre des invités pour aller sentir au dos là-bas. Moi, je ne peux pas loger dans une chambre de passage, je ne peux pas loger quelqu'un ici et puis mon enfant de 16 ans va aller sortir les odeurs pour venir me dire. Et puis, dire à l'invité, il faut sortir, il y a les mêmes parfums là-bas. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? C'est parce que vous,
La personne qui est en train de parler à Victor, vous vivez, Luc, toi tu vis en Afrique, tu vis peut-être dans Sikobois. Vos enfants s'éduquent seuls. En Europe, ici, on éduque nos enfants. En Europe, ici, les enfants sont éduqués. Peut-être que dans un Sikobois où tes enfants peuvent parler aux invités qui viennent chez toi comme ils veulent, et surtout qu'un dit que le congélateur, il marche les penchés sur son physique, on voit qu'il y a un handicap, on se fout de sa tête. Même s'il est difficile, on doit l'isoler. Lui et puis son manager, le manager est parti en France, pourquoi? Ah lui, pourquoi? Si c'est trop difficile maintenant, si Alain Waïti manager, ça ne va pas, mais on l'envoie en Côte d'Ivoire. S'il a envie de faire des va-et-vient, ce problème aurait été résolu si on lui faisait de temps en temps de petites sorties vers l'Afrique. On lui prenait des billets au low cost et puis il venait passer un mois s'aérer en Afrique ici. Quelqu'un qui a grandi au village, quelqu'un qui a toujours connu l'Afrique, qui a connu l'ambiance de l'Afrique, s'isoler en Europe comme ça, rester qu'avec son manager, ça peut être ennuyant pour lui. Il est sorti de sa routine depuis trop longtemps. C'est une nouvelle routine qui s'est créée, qui n'aime pas. Il apprend comme son enfant. Ça, c'est à lui de voir. Moi, j'ai vu la concordance de ce qu'il a dit chez Morissette et puis ce que la petite a dit. On lui a demandé, donc c'est toi, dans sa vidéo, il disait que tu l'as frappé, c'est toi. La petite a dit oui. La petite a dit oui. Moi, j'ai pas vécu, moi, j'ai pas besoin de vivre. Est-ce qu'il était venu en France pour vivre avec moi? Je juge les faits qui sont racontés. Ok, Luc, je juge les faits qui sont racontés sur les panels. La personne qui a parlé, c'est la personne qui a vécu dans le même endroit que Didier Conjateur qui s'est exprimé. Je n'invente rien. Quand je vais finir, je vais poster le panel même. Je raconte les faits qui sont... Je vais poster le panel, vous allez écouter vous-même de vous-même. Vous allez écouter avec votre oreille. Est-ce que... Monsieur Nema Boaké, puis Didier Conjateur, on les a scotchés pour les mettre ensemble, on dit c'est pour le meilleur et puis le pire. C'est un contrat. Mais on peut arrêter un contrat si c'est trop difficile. Il n'est pas son père ni sa mère. Si c'est difficile, on peut arrêter le contrat. Quelqu'un qui dit que j'ai un besoin fondamental. Lui-même, il explique qu'il était avec Whitey. Il explique qu'il était à Whitey. Il que c'était difficile. Il m'a dit au téléphone qu'il a besoin de femmes. C'est lui qui raconte, sauf s'il ment de la manière il ment, là, c'est comme ça qu'on jugeait son affaire. Donc, celle qui est en train de parler, c'est elle qui s'occupe de ce qui s'est passé dans la maison, là. C'est elle qui vient sur les panels et puis, elle ne sait pas que son patron, là. Elle ne sait pas que son patron, là, il travaille avec des artistes. Elle ne sait pas que Didier Conjateur, c'est un artiste. Ce qui se passe dans la maison, c'est elle qui vient raconter sur les panels. Monsieur, Nana Boaké n'a pas dit ça, hein. Il n'a pas dit qu'on les a mis dehors ou on les a logés à cause du comportement de Didier Conjateur. Il a dit, c'était difficile, il dit, il a besoin de femmes. Et je l'ai pris, j'ai libéré une chambre chez moi, et puis je l'ai mis. Quelqu'un qui dit, moi je me base sur ses dires. S'il arrive devant un tribunal, les juges vont se baser sur ce qu'il dit. Ils ne vont pas imaginer dans leur tête que peut-être c'est autrement. On se base sur tes dires, ce qui sort de ta bouche, c'est dessus on se base pour juger une affaire. Maintenant, ce qui est dans le fond, que vous n'avez pas dit là, nous non, on s'en fout de ça. C'est sorti de sa bouche. Il a dit que c'était difficile, et moi-même je suis venu. Devant moi-même, il a dit qu'il a besoin de femmes. J'ai libéré une chambre chez moi et puis je l'ai logé. Tu l'as logé là-haut. Quelqu'un dit l'envie de Mougou, il a des érections en désordre. Quelqu'un dit il est garçon, il a 28 ans, il a érection en désordre. Tu le prends, tu le mets dans une maison où il y a tes enfants mineurs et ta femme alors que tu n'es pas là. C'est ça qu'il a posé la question en début de direct. Il voulait que sa femme lui rende ce service-là, rende ce service à Didier Conjateur. Les besoins de Didier Conjateur étaient dans sa maison. Visiblement, il y a du désordre dans sa maison, puis il y a du désordre dans sa vie privée. Tu veux qu'on en a conclu quoi? Tu veux qu'on en a conclu quoi? Moi, il peut y avoir un problème dans la maison ici. Là. Mon enfant ne peut jamais se mettre à raconter à l'école. Il y a les enfants qui ne parlent pas à l'école de leurs parents. Moi, mon enfant, jamais. Se lever, parler. C'est ça, l'éthique congélateur. Même s'il est difficile, M. Nema Boaké est un professionnel, il peut trouver des manières pour ramener l'éthique congélateur doucement à la maison. Mais venir parler de ce qui se passe quand il enlève sa culotte, ce qu'il fait dans le double WC, quand il dort dans sa chambre, ça sent mauvais. Elle vient parler de ça pourquoi?
Elle vient parler de ça pourquoi? Lui, devant son micro, il a défendu la fille. C'est lui qui a prononcé la fille. Et elle a dit que Nama Boaké a dit que si vous ne restez pas, frappez-le. Je vais poster ça tout à l'heure. Nama Boaké a dit si vous ne restez pas, frappez-le. Est-ce qu'il est obligé de vous respecter? Vous ne savez pas qu'il est claqué? Vous ne savez pas que ces 2,25 ne font pas 50? C'était à vous de le respecter en premier. C'est vous les gens ordinaires, vous n'avez pas de problème. C'était à vous de le respecter. Oui, c'est comme ça. Même une personne atteinte de démence, une personne à l'ITER se chie dessus. Et puis tu restes. Nama Boaké a parlé. Nama Boaké a dit que c'est sa fille. Donc, quand tu dis mon fille là, c'est parce que c'est son employé de maison qui l'a dit fille. Je peux comprendre. Mais quand il a dit fille, on a écouté ici. Nous, on s'est dit que c'est son enfant qui l'a. Que c'est lui le géniteur. Mais sortez pour dire que vous vous désengagez des propos de la fille. Sinon, moi, on m'envoyait le panel. Hein. Depuis là même, j'évitais d'aller suivre. C'est pour ça que j'étais appelé. J'ai appelé Audi. Mais on m'envoyait, quand j'ai écouté le panel, ça, là, j'ai dit, c'est juste pas possible. Mais comment on peut l'exposer autant? Moi, quand j'ai vu, oui, il parlait à Capitaine Silla. Il dit, bon, ça, on peut mettre ça dans Buzz et puis ça passe. Et puis on le ramène tranquillement à Abidjan. On peut mettre ça dans Buzz. C'est un artiste. Mais aller donner les détails de son intimité maintenant sur des panels et puis c'est enregistré par des gens. Un mime, tu dis, on a le respect quand on le mérite. Mais quand tu as une personne qui a le discernement du manque de respect, puis le respect, c'est ça. Une personne qui ne fonctionne pas comme toi, qui n'a pas la même tête que toi, une personne qui est malade, comment tu peux savoir si la personne est en train de te respecter ou même c'est la maladie qui est en train de faire que la personne se comporte comme ça? Mip, quand tu es face à un malade, si tu es face à un schizophrène, si tu es face à un schizophrène et puis il prend un couteau contre toi, comment tu vas savoir que c'est l'envie de finir à toi mais c'est la maladie qui lui a dit de prendre le couteau? Vous êtes déjà trop bien né. C'est difficile pour vous de comprendre des gens qui sont malades. Mais arrêtez de leur manquer de respect ou évitez-les. Évitez-les. Comme puisque vous trouvez que c'est contagieux, ne leur manquez pas de respect. Cette fille, à l'entendre parler, elle a déjà, c'est-à-dire, elle avait déjà prémédité, elle a déjà préparé dans sa tête. Je peux imaginer quand elle dit faut sortir, il y a mes parfums. Je vous dis, il y a ma pauvre fille, elle ne dit pas ça comme ça. Vous savez que les ados, là, les ados, à un certain âge, ils développent certaines hormones qui font qu'ils sentent mauvais. Même ils ont pris une douche, une heure de temps, deux heures de temps passe net, les odeurs la sortent. Les ados. Moi, ma fille, par exemple, quand elle sait que ça commence à sentir, je lui demande, mais le petit parfum que je t'avais acheté, elle a un petit parfum, là. J'ai dit, un Giorgio Armani. Elle dit, ton Giorgio Armani, là, tu le portes bien, j'aime bien quand tu le portes. Est-ce que tu l'as mis? C'est comme ça. Si l'antenne se préparait à sortir, aller au lycée, je dis, ton Giorgio Armani, là, tu portes tellement bien l'odeur, quand tu le mets, ça sent tellement bon sur toi. Est-ce que tu l'as mis? Elle n'a pas le réflexe de mettre le parfum automatiquement. Mais j'ai une manière de lui dire. Je vais pas lui dire, tes aisselles sentent. Mets du parfum. Ou mais quand je lui tends le citron, je dis, bah, je garde la moitié pour moi-même. Tiens ça là. Il y a des manières de parler. Ça vient de l'éducation. La thérapie fait que les choses soient améliorées. On a commencé tôt. Je dis au congélateur, il y a des choses qu'il va faire, mais il y a des choses qui vont plus rentrer parce que son cerveau est déjà devenu dur. Moi, ce qui me fait mal, c'est ceux qui l'attendent à Abidjan, là. C'est les petits blogueurs et puis les petits voyous qui l'attendent à Abidjan pour profiter de lui, là. Pour aller le faire jouer, comment on appelle? Dans les showcases, dans les petits gombos et puis prendre son argent et puis le faire promener à Abidjan, là. Ah, Lou Nyaoré, mais comment on fait? Moi-même, je suis ici, là. Mon enfant, même qui vit en Europe, ici, à moi, là. Eux, tous, ils sont sur la toile, l'appellent Tomu Tomu. Il appelle comme ça, tu peux pas? Les gens, ils sont nés avec leur éducation que leurs parents leur ont donnée. Tu ne peux pas changer ça. Hein? Est-ce qu'en Afrique, ton enfant de 5 ans, 6 ans, en train de se moquer d'un enfant, d'une personne qui est handicapée, est-ce qu'on arrive à dire à nos enfants, on ne dit pas ça d'un handicapé? Mais non. Moi, j'ai grandi à Guatanegro. On se moquait des handicapés. C'était un jeu. On s'en fout. Quelqu'un a gros nez même. On prend un gros nez là même pour le surnommer. On rit. Mais nos parents ne nous stoppaient pas. Je dis la vérité, nos parents, les adultes ne nous stoppaient pas pour dire ça ne se dit pas. C'est un jeu. Quelqu'un qui a une grosse tête, ça devient un jeu.
Quelqu'un me menace, il a pied le gorlogue là même là. Pied le gorlogue, il a chassé, pied le gorlogue, pied cassé, pied le gorlogue. Et puis lui qui a pied le gorlogue, il commence à passer, oh pied le gorlogue, pied cassé. La personne est gênée, regarde, mais on s'en fiche. On dit que de le prendre chez moi, si on t'a toujours interdit là, c'est comme ça on prend quelqu'un. C'est comme ça on prend quelqu'un. Ce que tu viens écrire sur ce panel là, te trahit, tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries, tu as reçu une super éducation, tu ne peux pas raisonner comme ça. Tu ne peux pas raisonner comme ça. Il est difficile. Quand il est difficile, est-ce qu'on dit de l'exposer? Tu peux trouver des manières pour rompre le contrat et puis le faire rentrer à Abidjan. Il a une famille. On s'en fiche s'il finit sa vie dans sa famille. C'est sa mère qui aurait dû s'en occuper depuis longtemps ou de le laisser tomber. C'est ça qu'on dit aux mamans de s'occuper de leurs enfants. Parce que demain, tu sais ce qu'il va devenir. Demain, tu sais ce qu'il va devenir. C'est maintenant où elle est vieille là. Elle va faire quoi? Où elle était fraîche, elle? Il y a 21, il y avait 25 ans en arrière, elle devait s'occuper de lui. Ils ont vécu des trucs difficiles, ce qui est sûr. Il n'y a pas eu de blessés là-bas. Ce que la fille la raconte là. Dis-le qu'on j'attends n'a jamais pris couteau pour menacer quelqu'un. Dis-le qu'on j'attends n'a jamais donné coup de poing dans le visage de quelqu'un. Dis-le qu'on j'attends n'a pas essayé de brûler une maison. Il n'a pas essayé tout ça là. Des choses, ce qu'elle raconte, c'est des choses mineures qui concernent un handicapé mental. Il fait pipi à côté, il découpe le papier toilette en petit bout, ou sa chambre sent mauvais, ça pue, il met des jours sans vouloir prendre une douche. Ça, déjà, on connaissait ça. Où ils ont vu qu'on portait un message qui était important, et comme eux, ils ne portaient pas un message important, moi, j'ai laissé tomber, moi, je suis une mère ignorante. Moi, je dis tous les jours, mais Dieu merci, mon enfant est né en Europe. Mon enfant est européen. Et puis, il n'a pas une mère qui est ignorante. Je sais ce que mon enfant a. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Moi, c'était pour faire passer le message. Je sais que la maladie, ça peut arriver, ça ne s'achète pas. Moi, je ne l'ai pas acheté, donc je sais que ça peut arriver à d'autres parents parce que je ne suis pas allé acheter. Et il y a 10% d'handicapés en Côte d'Ivoire. Même si on fait comme s'il n'y en a pas, il y a 10%. Quand je parle de l'handicap, je parle de l'autisme, il y a 10% de la population qui sont porteurs du TSA. Et il y a déjà 25 associations sur le TSA en Côte d'Ivoire. Mais vous allez voir, ces associations-là ne font pas de mouvement, ne font rien. Et puis, c'est des associations qui sont subventionnées, qui touchent les subventions de l'État. L'État n'a pas reconnu, mais au moins ceux qui sont en association, l'État leur donne du pécule. Ça, il faut que je reconnaisse, je le dise, l'État donne, les associations qui sont déclarées donnent des financements. Mais vous connaissant, ils ne s'emmerdent pas pour faire passer. Regarde nous, nous qui nous finançons nous-mêmes, on s'autofinance pour venir faire passer des messages. Regardez comment on est attaqué, regardez comment les gens dénigrent ça, regardez comment les gens font. Nous-mêmes, on s'autofinance. Et mais ceux qui sont subventionnés là-bas, là, ils vont faire quoi? Ils gardent l'argent sur leur compte. Ils gardent l'argent, pourquoi ils vont s'emmerder? Ils vont garder l'argent. Moi, c'est fini. Moi aussi, la population ivoirienne, toute la population ivoirienne n'est pas de ma famille. Moi, ma famille, je suis à ma famille ici. Moi, j'ai terminé. Donc, sur ce, voilà, c'est une grosse erreur de la part de M. Nama Boaké, même s'il a fait des efforts, qu'on n'est pas au courant de ça, mais prendre une personne qui est handicapée, aller déposer chez lui à domicile, le laisser gérer par des gens qui sont ignorants sur son handicap, sur son comportement, c'est lui-même qui a mis sa famille dans ce problème-là, c'est lui qui a aggravé les choses. Plus, il dit que le congélateur prenait des frustrations, mais plus il se comportait mal. Voilà. Nous qui avons les enfants handicapés, c'est comme ça. La première des choses, il faut repérer l'élément de frustration. Qu'est-ce qui fait que la personne se frustre? Tu repères l'élément de frustration et puis tu évites l'élément de frustration. Ou bien tu trouves le moyen de gérer l'élément de frustration. Si tu n'as pas repéré les éléments de frustration, bah, les crises vont revenir. Mais pour les adultes, on ne parle pas de crise, on va parler de mauvais comportement. Voilà. Bon, mon fils, c'est ça ce qui peut le frustrer. Donc, je ne suis pas étonné. Des fois, je ne suis pas obligé de céder à ses caprices. Parce que je veux que ça change justement. Mais j'anticipe. J'anticipe. Je préviens, j'anticipe. Je le prépare. Je peux répéter plusieurs fois. Il y a ça qu'on doit faire. On va sortir. Ah non, tu vas arrêter la tablette maintenant. Tu vas arrêter le téléphone. Bon, lui, il prend pas la tablette. Tu vas arrêter. Tu vas faire ça pour aller au lit même. Je préviens deux, trois fois avant de le mettre au lit. Je ne le soulève pas comme ça. C'est bon, soulève, va au lit. Ça peut dégénérer une crise. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. J'ai fini. Je ne vais plus parler dans l'affaire de Digue quand j'attends. C'est bon.